Comme chaque jour, Mohammad vient prier devant les tombes de ses deux fils et de son neveu. Ils ont été tués un soir, début octobre, dans ce champ, juste à côté de leur maison. J'ai vu des petites lumières de téléphone portable. Ils couraient vers la maison. Nos femmes attendaient ici. Je suis monté là-haut avec une échelle, ma femme est venue avec moi. Nous pensions que les gars étaient à l'abri dans le bosquet d'arbres. Et puis les cinq portables ne répondaient plus. Je fixais la nuit quand j'ai vu un hélicoptère revenir et tirer ici. L'hélicoptère qui les a tués serait un hélicoptère de l'OTAN, installé à Jalalabad, la grande ville de l'Est afghan. Mohammad a vécu toute sa vie dans ce village. Aujourd'hui, il est en colère contre les Occidentaux, ceux qui occupent son pays. Mes enfants ont peur quand ils voient un hélicoptère, ils courent à l'intérieur. Ils ont très peur, même si l'ennemi est loin de la maison. Avec plus de 200 000 habitants, Jalalabad est la cinquième ville d'Afghanistan. Dans la province, autour de la ville, la sécurité est loin d'être assurée. Jahanzeb a dû quitter son village pour venir travailler ici, dans cette usine de farine de la ville. Sa famille, restée là-bas, lui manque, mais il n'ose pas y retourner. La nuit, c'est le règne des talibans. Les autorités locales ne peuvent pas sortir de leurs bureaux. Elles sont là en théorie, mais n'assurent pas la sécurité. Les talibans sont plus nombreux. Parfois, les anciens vont se plaindre auprès des autorités. Mais les forces de sécurité n'arrivent jamais jusque chez nous la nuit, et parfois même le jour. Dans cette région frontalière du Pakistan, les talibans sont invisibles, mais toujours bien présents. Le Mollah Bhatouraï a combattu pendant 6 ans avec les insurgés. Il a quitté le mouvement taliban début novembre, mais selon lui, les rebelles islamistes sont de plus en plus puissants. Avec nous, il y avait des milices pakistanaises. Jusqu'au mois dernier, on enlevait les riches pour des rançons. En plus, quand les gens avaient des problèmes personnels, ils nous payaient, nous les talibans, pour se débarrasser de leurs ennemis. Pour moi, ce n'était pas la guerre sainte. Alors, je suis parti. Pour sécuriser cette zone imprévisible et stratégique de l'Afghanistan, les autorités locales appellent à l'aide leurs alliés occidentaux, présents dans le pays depuis 12 ans et qui partiront dans un an. Ça serait plus efficace si nous avions une vraie force de frappe aérienne, pas seulement dans la province, mais dans tout l'Afghanistan. La plupart du temps, nous échouons par manque de moyens. Nous demandons aux forces étrangères de nous équiper en matériel aérien, car nous en avons vraiment besoin. D'ici un an, ce sont eux, les décideurs locaux, qui devront prendre en charge la sécurité de la province du Nangarhar.